sur ma chaîne. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi. C'est pour ça que je ne suis pas orangée, que j'ai un gilet lousse et que je suis en jogging. Pourquoi la confiance en soi? Parce que j'ai souffert du manque de confiance en soi. Puis je crois que autant garçons et filles, ça peut arriver. Puis qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent. Que ça va pouvoir aider cette vidéo-là, en tout cas, je l'espère. Puis si vous avez toute confiance en vous, restez comme ça, j'aime. C'est ça, pour ceux qui n'ont pas confiance en soi, j'espère que cette vidéo-là va vous aider. Puis si jamais quoi que ce soit, je suis toujours disponible sur mon Instagram, ainsi que sur mon Facebook. Puis tout ça reste anonymat, là, inquiétez-vous pas, là, je vais être psychologue plus tard, alors ça vous donne une idée. Donc, je vais vous parler de mon expérience personnelle et je vais vous mentionner quelques trucs, si on veut, qui peut aider à booster sa confiance et non la diminuer. Premièrement, mon expérience. Moi, j'ai souffert beaucoup d'un manque de confiance en soi lors du primaire, parce que dans le fond, première année, pardon, j'ai eu du taxage, dans le fond, à 6-7 ans. Ça a commencé jusqu'à tout. On m'a changé d'école, je suis allée dans une école privée, mais ça a continué. Donc, tout mon primaire ainsi que mon secondaire 1, peut-être 2. Mais j'ai vraiment pris plus de confiance, je me suis décidée de plus m'affirmer. Alors là, ça l'a arrêté. Tu sais, même encore aujourd'hui, ça arrive que les gens, peuvent m'insulter, que ce soit sur YouTube, dans la vie ou rire de moi, peu importe. Mais ça, c'est des choses, des niaiseries qui m'affectent plus. Pourquoi ça m'affecte plus? Justement, comme je l'ai dit, je me suis forgé une carapace. J'ai décidé de plus m'affirmer et de plus me laisser marcher sur les pieds. C'est pour ça que maintenant, je me dis, ben non, tout ça, c'est vraiment mental. Mais j'ai aussi une autre grosse passe... que je vais parler dans une autre vidéo, fait que restez à l'affût si vous voulez en savoir plus, mais je vais pas tout dévoiler parce que ça englobe aussi en général un autre sujet. Puis bon, il y avait les réseaux sociaux quand j'étais plus petite, je suis encore petite, plus jeune aussi, puis ça m'arrivait des fois d'avoir des lettres haineuses dans ma case quand j'étais au primaire, au secondaire, je ne crois pas, mais bon. Donc c'est un peu mon expérience à moi. Je sais que ça peut pas paraître gros parce que c'est juste de l'intimidation, mais vous allez voir dans ma prochaine vidéo que je vais faire qui parle de ça et d'un autre sujet à quoi ça peut pousser les gens, l'intimidation et tout ça. Puis je vais aussi sûrement faire une autre vidéo sur l'intimidation qui va, en tout cas ça va tout se toucher, ça va être tout en lien là. Donc puis des fois, tu sais, c'est difficile, tu sais, tu te regardes, puis tu te dis, hey, mon Dieu, je fais donc bien dur aujourd'hui. Puis en regardant la fille sur, mettons, Instagram, qui met une photo, I woke up like this. Ou, tu sais, tu regardes ton ami à côté, tu sais, ça, c'est... Tu sais, moi, ça a été d'affaires difficiles pour moi à faire, à dire, ben non, tu sais, regarde, cette fille-là est comme ça, puis toi, t'es comme ça. Puis, tu sais, autant sur le poids que sur, ah, là, faut que je ressemble à ça pour être parfaite. C'est, ça a tout été des choses vraiment difficiles, même au niveau scolaire, mes notes, elle a des meilleures notes que moi, tu sais, j'ai vraiment beaucoup, ça paraît pas là, mais j'ai vraiment beaucoup souffert de ce manque de confiance, tu sais, tout partout dans mes sphères de vie, ça l'a affecté, que ça soit sur le plan professionnel, si on veut, scolaire, amoureux, whatever, tout ça. Je veux que vous sachiez que la confiance en soi, c'est pas un processus à court terme. C'est quelque chose à long terme qui peut s'inverser. Tu peux avoir confiance en toi, puis à un moment donné, quelqu'un peut venir te l'écraser. Ça se fait comme ça. Puis, après ça, c'est vraiment difficile de remonter la pente. Il faut juste pas se laisser atteindre par tout ça, là, si on veut. Tu sais, faut essayer d'être forte puis fort, puis que tu sais, pas se laisser écraser par peu importe qu'est-ce qui vous démotive ou whatever. C'est quelque chose que je trouve de vraiment important, de pas se laisser marcher sur les pieds, c'est ça que je cherchais comme mot.
Puis, tu sais, la confiance en soi, c'est vraiment, c'est long à faire. C'est, tu sais, ça y va petit à petit, jour après jour. Puis, à un moment donné, ben, tu t'en rends même pas compte. Puis, tu le fais tout seul. Tu sais, à force, mettons, de te dire que, en te regardant dans le miroir, que, tu sais, que t'es belle. Parce que c'est vrai que, genre, tout le monde est beau. Puis, tout le monde est, genre, à sa façon. Fait que, tu sais, c'est à force, genre, de se regarder. Puis, c'est pas parce que l'autre te dit, genre, ah oh non, t'es pas belle. Puis, tout. Genre, faut pas que tu l'écoutes. Faut que tu te regardes dans le miroir. Faut que tu, genre, tu te trouves belle. Tu sais, faut que tu te dis genre je m'aime, tu sais. Au pire, dis-toi ça dans le miroir, je m'aime. Écris-toi le, genre je suis belle dans ton miroir, des choses comme ça. Juste des petits mots ou genre souris, la vie est belle, je sais pas, là. je dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, juste un petit quelque chose qui va ensoleiller ta journée à propos de toi-même, ça peut vraiment beaucoup s'aider. Puis à se dire en dedans que. Tu sais, justement, souris, ça va bien, tu sais, c'est tout mental. Si tu dis que ton examen, ça ira pas bien, c'est sûr que ça ira pas bien. Mais si tu dis que ton examen va bien aller, ben ça va bien aller. Normalement, exemple, moi en maths, je le dis là, je suis pas une bolle en maths, ok? Je suis pas bonne. Genre vraiment pas. Puis si je me dis que ça va bien aller, ben des fois, ok, c'est des maths, ça se peut que ça aille mal, mais déjà ça va, tu sais, ça va être genre plus confiance quand je vais arriver à mon examen que... Si je m'étais dit au départ que ça allait pas bien aller. Fait que, tu sais, déjà, ah, oh, ok, tu sais, j'ai une pas si bonne note que ça. Mais, tu sais, c'est correct, c'est moins pire que, tu sais, si je m'étais dit que ça allait pas bien aller, puis que j'allais pas avoir prendre mon temps, puis que j'allais tout le botcher. En tout cas, je sais pas si vous voyez, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Tu sais, que ça sert à rien, dis pas que ça va pas bien aller, puis botche là. Tu sais, dis-toi ça va bien aller, puis fais-le comme du bon. C'est un petit peu, en tout cas. Mais tu sais, ça, c'est tout aussi par rapport à la confiance en soi aussi. Mais là, je parle du niveau scolaire, mais ça peut être dans n'importe quoi dans la vie, dans ton sport. Si tu penses pas que tu vas gagner, ben tu gagneras pas. Tu sais, ça marche un peu de même. Tu sais, vois-toi comme un gagnant, puis tu vas en sortir gagnant anyway. Bon. Puis là, comme je vous l'avais dit, bon, que c'était un long processus, que c'est sûr que, bon, ça, je l'ai déjà dit. Puis aussi... Tantôt, quand j'ai parlé de se regarder, de se comparer, tu sais, quand je disais que des fois je regardais, mettons, une de mes amies se réveiller le matin qui ressemblait à ça, my god, est donc bien belle. Puis, ou ben, une photo d'une fille qui a écrit I woke up like this. Ben, tu sais, faut pas se comparer. Mais, mettons, une fille qui passe dans la rue, tu sais, tu peux la trouver belle, mais faut pas que tu te compares à cette personne-là. Faut pas que tu te compares non plus avec ton amie ou à une mannequin ou à une fille, tu sais, qu'une. Mis une belle photo sur Instagram ou whatever le réseau social, tu sais, faut pas que tu te compares. Se comparer là, c'est mortel, c'est pas bon pour la confiance en soi. Ne faites pas ça. Je sais que c'est difficile, puis tu sais, à des fois, surtout plus pour les filles, mais je sais qu'il y a des gars aussi qui se comparent, que c'est pas juste les filles, mais tu sais, j'ai plus vu de cas de filles, mais je sais qu'il y a des gars aussi, mais tu sais, il y en a qui le cachent plus. Fait que tu sais, faut pas se dire ah, oh, elle est plus belle. T'sais, oui, tu peux te faire un but dans la vie. Tu sais, mettons, je vais avoir cette shape là parce que tu trouves ça beau. Ça, tu sais, ça n'a pas rapport à ça, mais tu sais, faut que tu t'aimes. Si tu t'aimes pas, tu sais, fais pas des goals pour ressembler à la société. Ce que la société voudrait, parce qu'une année ça va être telle mode, puis l'autre année ça va être ça la mode, puis. Tu sais, en tout cas, faut pas. Moi, je me dis qu'il faut pas s'y à ces tendances-là. Parce que ça peut juste nous nuire. Puis ça peut juste, genre, nous détruire le mental, genre, solide. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire à propos de pas, tu sais, se comparer. Parce qu'anyway, on est tous différents. Fait que, tu sais, tu ressembleras jamais à la fille à côté dans ton cours de maths, là, qui est belle, là. Puis, tu sais, puis, ben, en fait, que tu trouves donc bien belle parce que la beauté. Je l'ai déjà dit dans le nom de mes vidéos, c'est relatif. Fait que, tu sais, tout le monde qui regarde cette vidéo, vous êtes tous beaux pis belles parce que vous êtes tous différents les uns autant que les autres. Tu sais, c'est ça qui, moi je trouve que c'est ça qui fait la vraie beauté, c'est que tout le monde a quelque chose propre à chacun. Puis ben, c'est ça qui est beau. Ça serait donc, mais ça serait du plate si tout le monde se ressemblerait. Et moi, je trouve que la vie serait plate à maudit. Toutes des trucs comme ça qui font que, tu sais, pour moi, YouTube, c'était un risque à prendre, mais avoir pris le risque, tu sais, il y en a qui t'aimeront pas, puis yes, ça prend un risque.
ils vont être contents que tu prennes un risque. Mais prendre un risque, puis que ça marche, c'est être fier de toi. Puis être fier de toi, confiance en soi. Fait que, tu sais, moi, je vous dis, là, à tout ce monde qui m'écoute, prenez-en des risques. Tu veux starter une entreprise, fais-le. Vas-y, start-la, l'entreprise, fais les démarches qu'il faut, puis go for it. Là. Genre, je vous encourage à réaliser vos rêves et tout, parce que c'est ça qui va vous faire avancer dans la vie, prendre des risques. Puis quand vous prenez des risques, tu sais, que vous aimez, exemple, certaines en entreprise, que ça fait, exemple, 20 ans que tu veux en starter une, ben go, vas-y. Puis tu sais, tu vas être plus heureux que, mettons, que tu as une job, tu haïs ta job, ben tu seras pas bien. Fait que, puis tu veux que tu startes une entreprise, ben start là, tu vas être heureux dans ta job. En tout cas, bref. J'ai fini mon blabla parce que la vidéo va être quand même vraiment longue. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis juste, ayez confiance en vous. Puis regardez-vous dans le miroir, puis dites-vous que vous êtes beau puis belle. Puis écrivez-vous des petits mots, puis ça va vous aider. Puis comparez-vous pas, même si c'est difficile. Fait que c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. Parce que avoir confiance en soi, c'est tellement. On se sent tellement plus léger dans notre corps, dans notre peau. On a tellement moins de poids de la société et tout le tralala sur les épaules. On est tellement bien qu'on a confiance en soi, puis c'est juste le fun. C'est ça. Et que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Fait que si vous avez d'autres sujets autres que la confiance en soi, évidemment, vous pouvez me l'écrire en commentaire, en privé, sur Ask, parce que j'ai vraiment besoin d'idées. J'ai justement mon petit cahier ici que je note toutes les idées. Fait que si vous me suggérez des idées, ben ça serait, je serais ravie de les faire pour vous. Et restez à l'affût parce que j'ai quelque chose qui s'en vient dans mes prochaines vidéos à vous montrer. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumbs up. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car vous voulez rejoindre cette belle famille. On est bientôt 200, alors je suis vraiment contente. Alors je fais de gros bisous. Et c'est ça, comme tout maman. Bye, je vous aime!